Hey, coucou tout le monde. Attendez, ah, je passe le micro, ça va mieux. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite du Rack to Rich Challenge. Du coup, Fanny, oui, j'ai vu pour la qualité, je suis vraiment désolée. Enfin, c'est fait partie des moments comme ça où je regrette de ne pas avoir une chaîne un peu plus importante pour pouvoir jouer sur. Il est très rouge, mon rouge à lèvres. Pour pouvoir un petit peu avoir un peu le droit de jouer sur la qualité. Je suis vraiment désolée pour toi. J'espère que tu vas arriver à suivre. Vraiment, je sais pas quoi faire d'autre. Et merci de m'avoir prévenu pour le titre. À chaque fois, j'oublie. Quand c'est pas le son, c'est le titre qui merde. Vraiment, je sais pas si un jour j'arriverai à être, être au top et être au taquet sur les lives. Parce que vraiment... À chaque fois, je merdasse. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Bonsoir, j'avais hâte. Bonsoir, Elisabeth. Moi aussi, j'avais hâte de vous retrouver. Coucou, Lisa. Je suis fan de toi. Merci, Mister Cool. Et pas grave, je regarde sur YouTube. Du coup, je peux bien baisser la qualité. Ok, bon, bah, tant mieux. Je suis vraiment désolée. Je peux pas y faire grand-chose, malheureusement. J'ai déjà baissé la qualité un petit peu, mais je peux pas. Je peux pas baisser encore plus. Alors, attendez, excusez-moi. On fait un petit tuto maquillage. Alors, aujourd'hui, on va atténuer un peu le rouge à lèvres, vous voyez. Voilà. Ça va mieux. J'avais l'impression d'avoir des lèvres bien rouges. Crime qui fait un tuto beauté. On aura tout vu, les mecs. Je vous jure, on aura tout vu. Et de rien. Ok. Du coup, au niveau de... j'ai commencé les défis, le défi grâce à toi et je suis loin. Ah mais on commence toujours de très très loin, tu sais, ça va mieux avec le temps, t'inquiète pas. Regarde là, j'ai plein d'argent. Alors oui, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours pas fait la rénovation de la maison. Parce que j'ai fait un live ce matin et puis après il a fallu que... Enfin, j'avais des choses à faire chez moi. Donc j'ai rien rénové, ils sont toujours blindés de fric et avec une baraque pourrie. Voilà, voilà. Et j'ai pas non plus mis en ligne le replay de d'hier soir. Je suis vilaine toute plein. Je suis vilaine tout plein et j'ai vraiment pas. Enfin, je manque de temps. Après les conseils de canicule, les tutos maquillage. Ah oui, je suis multitâche. Je peux tout faire. Bien qu'à mon avis, je sois bien plus calée en canicule qu'en maquillage. Je l'avoue, la beauté, c'est pas trop mon truc. Je vais pas trop faire. Hein. Si vous avez besoin de conseils beauté, surtout, venez pas vous adresser à moi. Vous allez ressembler à rien. voilà, ça c'est dit. Du coup, on va se concentrer un petit peu sur le challenge. Donc, j'ai ressorti mes petites règles. Mine de rien, donc j'ai fait l'inventaire de ce qu'il nous fallait dans la maison. Donc, il nous faut 3 chambres. Ça, c'est bon, puisqu'on a les parents... La chambre, la nurserie et la chambre d'Agathe qu'il va falloir qu'on refasse parce que c'est une chambre de bébé. Voilà, une salle à manger. Oui, donc en fait il va falloir séparer la salle à manger, 2 salles de bain, ça on les a. Le living room, ok, et un bureau... remarquez, dining room, ça peut être ah non, a kitchen et une dining room. D'accord, donc il faut bien une cuisine et une salle à manger. Donc ça va pas du tout. Va encore falloir agrandir la maison. Enfin, ça fait chier, j'avais fait aussi mes toits. Et un jardin et une piscine. Ok. Pour ce qui est de la famille, on est bien. Il manque juste à devenir grand-parent, mais ça va pas être tout de suite. Pour la carrière, on est en route. Il nous manque juste à atteindre le niveau 10. Nickel. L'aspiration, il va falloir qu'on complète l'aspiration de tous les enfants qu'on va avoir. Donc ça va être à Agathe de jouer. Et il nous faut une maison qui vaut au moins 100 000. Donc ça, on n'y est pas du tout. Sinon, pour le jardin, il nous manque juste à monter sa compétence jardinage au niveau 5. Et de payer 500 euros pour avoir les plants. Donc voilà, et pour faire grandir Agathe, il faut qu'on complète soit 5 niveaux dans n'importe quelle compétence et un A à l'école, ou 10 points dans n'importe quelle compétence. Donc ça va être facile, je pense que ce qui va nous retarder, c'est surtout de réaliser son aspiration.
Et puis voilà, donc c'est le programme du jour. On va essayer de faire d'avancer un peu sur tous ces points-là. Voilà, j'ai bien avancé ma Sims Marie. Sa maison est enceinte de son troisième enfant. T'as trois enfants, toi? T'es motivée. Du coup, il s'est passé quoi dans le dernier épisode? Comme on n'a pas pu regarder la rediff, oui, désolée Fanny. Eh ben, Agathe a grandi. Hein, voilà, Agathe. Et Inès est parmi nous. Parce qu'on a fait un deuxième enfant et que c'était encore une fille. Donc ça, c'est Inès. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Olivier a monté un peu de grade dans sa carrière. Je crois qu'il a réalisé son aspiration aussi dans l'épisode dernier. Et puis voilà. Non, le challenge ne demande pas trois enfants en fait. Le challenge demande trois chambres. Mais il précise pas le nombre d'enfants qu'on doit avoir. Inès s'appelle en réalité Déception. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On va baisser un peu la cam. C'est encore très rouge, hein, le rouge à lèvres. Hein. C'est encore très foncé. C'est pas grave. Ah merde, t'as pas eu de triplé. Pas grave, mais au moins fais au moins la chambre d'Agathe avec nous. Profite, y a personne. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais. D'un autre côté, la maison, va falloir encore que je l'agrandisse ou que je la répartisse différemment. Parce que il me faut. Une cuisine séparée de la salle à manger. Ou alors cette pièce-là qui est un petit peu. Dans laquelle on a mis le tapis de yoga. Peut-être s'en servir différemment. Si genre je fais un mur là, donc ça sépare la salle à manger, je mets la cuisine ici, je casse le mur, enfin j'agrandis la pièce et je fais le salon à côté. Ça peut être pas mal. Et après quoi? Ah, après, il manque un bureau quand même. Non, parce qu'on a les trois chambres là, 1, 2 et 3. Ils n'ont pas précisé qu'il fallait que ce soit une chambre. Ça peut être une chambre de bébé. Et par contre, du coup, ici, il nous faut faire un vrai bureau. Bon, on n'est pas trop mal quand même. Non? Oui, non, j'ai pas eu de triplé, Fanny, désolée. Et coucou l'univers Sims, je ne sais pas qui de je sais pas qui de l'uni est par ici, mais coucou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait le faire sans avoir à toucher les murs de la maison. Enfin, si, un peu les murs intérieurs, mais du coup, si je vois, il y a peut-être moyen que je fasse comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que j'ai pas du tout envie de me retaper la construction des toits, hein, je vous le dis tout de suite. J'y ai passé assez de temps. Ils sont parfaits, magnifiques, ils tombent pile poil. Il est hors de question que je recommence. C'est négatif. On va se concentrer sur l'aspiration d'Agathe. Crime qui n'a pas du tout envie de refaire ce toit. Ah non, je touche plus au toit, c'est fini. Je ne touche plus au toit. C'est pas grave, s'il faut, je casse tous les murs et je remets toute la maison en forme, mais je ne touche pas à l'extérieur. Ton aspiration, ma petite Agathe. Tu es un petit génie, tu dois gagner trois parties d'échecs. Ah, tiens, faut acheter des échecs. Il faudra aussi qu'on achète plein de meubles parce que la maison, elle doit valoir 100 000 et pour l'instant, elle vaut 43 000. Oh, n'est pas si mal que ça finalement. 43 000. Va falloir doubler la valeur de la maison. Va foutre 2-3 tapis, un ou deux tableaux et c'est vendu. Bah fais des sous-sols. Ouais, ça je peux faire des sous-sols, effectivement. L'amoureuse de son toit. Non, je suis pas amoureuse de son toit, mais je pense que j'ai atteint le summum de mes capacités avec ce toit-là. Et je pense que je peux pas aller au-delà et je peux pas refaire mieux. Donc je préfère pas y toucher. Du coup, on va lui acheter une table d'échecs à cet enfant. Non merde, il fallait pas que je si c'est bon. Échiquier. Stratégie. On va lui acheter un échiquier, ben cher parce qu'on a les moyens. Et écoutez, pour l'instant, on va le foutre là-dedans.
Voilà, elle fera des échecs pendant que son père fait du yoga. On va pas trop se prendre la tête pour l'instant. La maison, elle n'est pas finie. Voilà. Renverse le berceau comme ça. Non, alors bon. Alors écoute, j'aimerais qu'on règle un problème tout de suite. Je vais tuer personne, c'est pas la peine de me donner 250 000 idées et de me donner de faire des messages comme ça toute la soirée. Ça n'arrivera pas. Voilà. Ni pour Dina, ni pour le bébé, ni pour aucun membre de cette famille. Voilà, comme ça c'est fait. On va pouvoir avancer. Du coup, toi, va pousser tes échecs. Ah, pour gagner 3 parties d'échecs, il faut que tu te battes contre quelqu'un, je suppose. Jouer avec. Non, ta mère, parce que ton père, il va être occupé. Il va être occupé à bosser son jardinage, cet homme-là. Oui, parce qu'il manque un point de jardinage pour qu'on commence à s'attaquer aux extérieurs. Lire. Jardinage. Eh ben, allez, c'est parti. Non, non, mais arrête de chanter, arrête de chanter, arrête. Non, c'est bon, je t'assure, c'est bon. Et bonsoir, Alexia. C'est pas, j'ai pas compris l'enchaînement. Sniff, je l'aime bien, Dina. Non, mais on va pas la tuer, Dina, ça va. Et merci, Alexia, pour le follow. Merci beaucoup. Donc, ah ouais, il y a une petite erreur sur la barre. J'allais dire, on monte un peu, mais la barre a un point d'avance sur le vrai score. Donc, on est à 294 et pas 295. Il nous manque encore 6 abonnés pour atteindre l'objectif du mois d'août. Et ça, c'est cool parce que. Bah, on est que le 18 quand même. Mais t'es pas loin des 300 followers. Non, je suis pas loin. Il m'en manque 6. Il manque que 6 personnes. Peut-être on les aura ce soir. Je ne sais pas. Ça va dépendre des spectateurs. Sinon, ce sera pour une prochaine fois. C'est pas bien grave. Hein. Comme j'ai dit, on est que le 18. Il reste 12 jours encore. On est large. Hein. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on atteint. Eh ben, j'y arrive pas en fait. Je l'ai faite, mais elle apparaît pas. J'ai du mal. Je pense que Streamlab a du mal à gérer Twitch et YouTube en même temps. Il veut bien que je fasse des trucs sur YouTube, il veut bien que je fasse des trucs sur Twitch, mais il veut pas que je fasse les deux en même temps. Donc il va peut-être falloir que. Il va peut-être falloir que je change de crèmerie pour mes alertes parce que voilà. Je t'en prie, j'aime beaucoup tes vidéos. Merci, merci, merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. J'attends le 299 et j'arrive pour être la 300e. Ok, Elisabeth, pas de souci. Si tu veux, mais c'est pas dit qu'on les aura aujourd'hui, hein. C'est pas certifié, hein. Pour ton travail, t'en es où, toi? Tu travailles dans 55 minutes, donc tu arrêtes. Tu vas prendre une douche méditative et puis tu vas aller regarder les nuages. Voilà. Et vous, là, vous en êtes où? Tu l'as gagné ta partie? Ouais. Allez, continue. Contre ta mère, ça devrait pas être bien dur. Tu devrais nous enchaîner les trois victoires rapidos. Donc on parle quand même de Dina. C'est pas non plus extraordinaire ce qu'elle a. C'est pas. Voilà, c'est pas le cuit de l'année non plus, hein. Mais elle fait des bonnes toiles qui rapportent de l'argent. Et ça, c'est l'essentiel. Et j'aurai une médaille de la 300e. Bah écoute, je crois que la 251e, 250e avait une médaille en chocolat. Donc, t'auras la même. Attends, attends, avant d'aller regarder les nuages, à faire pipi. Parce que tu vois bien que t'es au bout de ta vie. Après, tu regarderas les nuages. Je suis patiente. Ok, pas de soucis. Pas de problème. Ah ouais, tu veux pas tuer quelqu'un? Et ben j'espère que Dina va s'étouffer avec un pion. Voilà, c'est ça, on va dire ça. On va dire ça. Écoute, pour l'instant, elle s'étouffe pas. Faut que tu ailles au travail, toi, avant d'être en retard. Bon, à mon avis, ça va pas durer longtemps.
J'ai pas vu où il en était de la promotion, j'ai pas fait attention. À mon avis, ça sera pas pour aujourd'hui quand même la promo. J'ai un peu de doute. Bon, toi, t'en es où? Allez, encore une fois, et c'est bon, jouer avec Dina. Après, tu iras faire tes devoirs. Et faire ses devoirs. Voilà. Bon, bah on est pas mal. On est pas mal. Mais je me suis abonnée il y a quelques semaines sur YouTube sur la vidéo de Single Sims. Non, mais c'est. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est très gentil de ta part. Et puis, t'es pas obligé d'être abonné aux deux endroits. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut et comme il veut. Hey, coucou Alexandre, comment vas-tu? Ah, c'est bien, c'est qu'avec Bambin au top, elle va apprendre. Elle va avoir les compétences qui vont monter hyper vite. Ça va être rapide, on va vite la passer au niveau adolescente. À mon avis, elle sera adolescente avant que sa sœur soit enfant. Coucou Bookie. Comment vas-tu? T'as mis un truc en plus, ça change tout, mais j'arrive pas à déterminer quoi. Un truc en plus ou ça? Sur l'overlay, sur la vidéo, sur moi, sur... Dis-nous tout. Ça va, j'ai eu une journée un petit peu compliquée, mais ça va. Je vais jamais sur Twitch, c'est rare les live Sims en français. Oh, il y en a quand même quelques-uns, hein. Il y en a. Il y a moi déjà. Mais il y en a du rouge à la... Oui. Elle s'est maquillée, oui. Oui. Ça m'arrive. Il est un peu rouge. Un petit peu trop rouge. On l'a un petit peu atténué. Tu as loupé le tuto maquillage du début de la vidéo. Quel dommage. Mordant que j'avais pas vu. Oui, t'as vu? C'est un cadeau d'ange cet été. Parce que j'en voulais un, j'en avais pas, j'avais pas réussi à en avoir dans les concours, donc ange m'en a généreusement donné un. Quoi de neuf depuis hier? Bah écoute, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Moi, Dina, va t'occuper de ton gosse, là. Tu serviras à quelque chose, s'il te plaît. Tiens, à peindre une toile. Nous avons besoin d'argent, sache-le. Non, on peut pas changer la qualité. Sinon, tu peux aller sur YouTube, tu pourras changer la qualité. Parce que là, tu sais, c'est toujours le même problème. Comme j'ai une toute petite chaîne, et ben nous, on n'a plus droit. Comme on est samedi soir et qu'il y a beaucoup de gens qui stream, et ben les petites chaînes, elles passent en dernier pour le réglage des vidéos. C'est toujours pareil. Tu penses que je suis voliant ou fou? Fou peut-être, fou. Atteint, barré. Enfin, il y a quelque chose, hein. Ah cool, sympa, ça te va bien. Merci. Oui, je me sens bien. Je suis une Sims maintenant, ça y est, c'est officiel. Du coup, il est parti travailler. Devoir terminé, magnifique. C'est quoi la suite là du petit génie? Niveau 5 de faculté mentale et terminer ses devoirs deux fois en étant concentré. Ah merde. Bon bah c'est loupé. Faculté mentale, bah écoute, retourne donc jouer aux échecs, hein. Quelle heure il est? Tu vas dormir aussi au bout d'un moment, non? Faudrait qu'on lui achète une vraie chambre, non? En tout cas, un matelas gonflable. T'es sur YouTube en même temps que Twitch? Oui. Depuis quelques jours, je diffuse en même temps sur Twitch et sur YouTube. Ça fait deux espaces différents. Puis tu vois, comme les soirs comme ça, où les gens qui ont une petite connexion peuvent pas régler la qualité parce qu'on n'est pas prioritaire pour Twitch, et ben ils peuvent passer sur YouTube pour baisser un petit peu. Et j'ai connu Twitch il y a quelques mois par la youtubeuse Jody Dreams. Oui, je connais, oui. Et toi, c'est rare que tu y aies, non? Oh, j'y suis 3-4 fois, bah, plus ces temps-ci parce que je suis en arrêt et que du coup j'ai plus de temps, mais
Mais j'y suis 2-3 fois par semaine quand même. Va dormir. Pour terminer les devoirs en étant concentré, faut qu'un parent aide au devoir. Ok, merci Poulpe. Et coucou, excuse-moi, je t'avais pas vu. Bonjour ma belle, je suis nouvelle sur les Sims et je ne comprends pas. J'ai créé une famille avec une grand-mère et je n'ai pas joué avec cette famille. Mais lorsque j'ai décidé de jouer avec ma grand-mère était morte. Mes personnages grandissent lorsque je ne suis pas sur le jeu et ma Sims a accouché et donné un nom que je n'aime pas lorsque je n'étais pas connectée. Est-ce qu'on peut changer ça? Le nom, tu peux le changer, mais à mon avis, c'est parce que tu as joué avec d'autres familles du quartier, et donc quand tu joues avec d'autres familles du même quartier, ça fait vieillir ta famille de base. Il faut que tu désactives l'option dans les options. Tu as une option qui s'appelle, je sais plus, qui s'appelle. Dans les options du jeu, tu as, dans gameplay, voilà, tu as âge automatique Sims non utilisé, donc il faut que tu décoches. Comme ça, les Sims avec lesquels tu ne joues pas ne vieilliront pas. Pratique, je voulais savoir ce que ça donnait là-bas, alors je vais bifurquer. Ok, bah, bien, je t'attends. Je te laisse jouer, pas de soucis. Ce midi aussi, on ne pouvait pas changer la qualité sur ton stream. Bah, franchement, je suis vraiment désolée pour vous. C'est énervant, bah oui, je me doute. Merci pour le follow ce matin. Avec plaisir, Alexandre, ça m'a fait plaisir. Sinon, tu fais réfléchir à une stratégie et tu annules, puis tu fais faire les devoirs. Ah ouais, c'est pas bête. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil. Bah, je t'en prie, écoute, j'espère que ça pourra t'aider. Du coup, elle est où elle? Écoute, on va la laisser finir. Par contre, à un moment donné, on l'enverra au lit, même si elle n'est pas fatiguée, parce que sinon, ça va complètement la décaler pour l'école. Bon, du coup, je pense que ça va aller très très vite parce qu'on est déjà quasiment à 5 en capacité mentale, donc il suffit qu'on ait un A ou qu'on finisse la capacité, enfin la faculté mentale. Mais comme de toutes les façons, on a besoin qu'elle finisse son aspiration. T'as pas eu de promo, toi? Oh bah bravo! Bravo, bravo! Allez, va dormir. Quelle heure? Il est 2h du matin. Allez, va dormir aussi. Allez, tout le monde au lit. Hop, hop, hop. Vitesse rapide. Et on se retrouve demain matin. Et voilà, nickel. Je pense qu'il aura une promo demain. Si jamais il va travailler, ce serait bien. Dans 17h. Très, très bien. Agathe, on avait dit. Pas Agathe, Inès, on avait dit qu'il fallait la faire vieillir mardi, c'est ça? Mardi soir. Parce qu'elle est née samedi, dimanche, lundi, mardi soir, ouais. Donc demain soir, on fait vieillir Inès. Oui, c'est rapide, ma fille est née, a terminé deux aspirations avant de grandir. Mental et créativité, ouais, c'est rapide. Ça va être plus rapide que le stade bambin, c'est déjà. Oui, c'est parce que tu as fait bambin parfait, oui. Bah, j'avais pas le choix. Je me serais bien passé des bambins parfaits, mais ma foi, c'est dans les règles du jeu, donc j'avais pas bien le choix. Pourquoi on n'est pas en vitesse? Parce que j'ai pas appuyé sur la vitesse rapide. Et voilà. Donc, toi, comment on fait? T'as fait tes devoirs, t'as cours dans 3 heures, tu vas manger. Je vais reprendre des restes. Il y a de la bouffe de partout dans ce baraque, c'est hallucinant. Prendre une douche. Non, c'est pas une douche, c'est réfléchir à une stratégie et puis jouer. Voilà. Toi. Toi, 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 toi. Toi, tu vas aller faire à manger parce que sinon, on n'aura pas de promo. Tempora, on va pas aller bien loin. Et toi. Ah, toi, c'est Bagdad. Utiliser. Prendre des restes. Prendre une douche. Et. Non, pas mettre dans l'inventaire. Finir le tableau. Tu peux pas finir le tableau? Reprendre. Voilà. Allez, action. Hein, je me suis amusée à créer une bannière pour la peine. Mort de rire. Bon, ok, c'est surtout parce que j'étais contente d'avoir trouvé comment changer la PDP. La PDP, je ne sais pas. Oui, la galère de faire mon bain parfait, j'ai mis 10 jours. Oh, moi, j'ai pas compté, mais ouais, j'ai mis une plombe.
J'ai mis une grosse plombe. J'en ai profité pour enfin changer celle sur Twitter. Mais bref, aux F de ma vie. Photo de profil. Ah, merci. Merci, c'est gentil. C'est gentil. J'y étais pas du tout. J'y étais pas. Et Dina, malgré deux gosses, reste toujours svelte comme... svelte comme une liane. C'est assez incroyable. Les miracles de la génétique. C'est... Oh, c'est quand mardi déjà? C'est dans plus de 24 heures quand même. Nourrir, allaiter... babiller, bercer, deviner, parler. Plus que 5 followers. Non, 6, elle n'est pas à jour la barrière. La bannière. En fait, il y a quelqu'un qui s'est abonné ce matin et qui a dû se désabonner entre-temps, donc elle n'est pas à jour, il en manque 6. Tant pis. Mais bon, c'est pas grand-chose, si ça va le faire. Ça va le faire. Mais ça arrive souvent, ça, hein, qu'il y en a qui... Alors, j'avoue que je comprends pas le concept, parce que les mecs, ils arrivent, avant même de voir, ils s'abonnent. Après, bah, ça doit pas leur plaire, parce que bon, bah voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc ça leur plaît pas, ils se désabonnent. C'est pas plus simple de venir, de rester un petit peu, de voir si ça te plaît. Et seulement si ça te plaît de t'abonner, j'avoue que je comprends pas le concept. Tu vas faire quoi si Dina mourait par accident? Tu as un vrai problème, Mr. Cool. Il va falloir vraiment que tu t'en occupes. Hein, personne ne va mourir. Ça demande trop de réflexion, ça. Oui, pardon, non, mais je sais pas. Je sais pas où je vais choper des idées pareilles. Genre réfléchir avant de s'abonner. Truc de dingue. Du coup, le bébé, c'est bon. Bah, retourne. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Tu fais des feintes. Quand tu commences à t'éloigner, il se remet à pleurer. Tu reviens, il arrête. Toi. Tu es où? Tu vas retourner faire à manger, parce que je suppose que ça ne suffit pas, bien sûr. Repas gastronomique. Hop. Et toi, t'es pas allé à l'école? Oh! T'es en retard pour l'école, là? Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ce look? Oh, ça va encore. Mais les manches longues, quand il fait chaud, c'est pas non plus l'idéal. Après, moi, ce que j'en dis... Bon, bah elle est pas prête d'avoir le A, je vous le dis. Elle est déjà là bon à l'école. C'est pas gagné, les gars. C'est pas gagné. Va faire un peu de ménage, toi. Hop. Fera pas de mal. Un petit peu de ménage. Non, y a rien à nettoyer, là. Ah, y a encore le bébé qui doit avoir la couche sale. Voilà. Oh, les factures! Ça faisait longtemps, dis donc. Oh, 1500, ça va, on s'en sort bien. Oh, l'autre, elle voulait sécher. Ouais, c'est fou, ça. Elle voulait esquiver l'école. Perdu. Mais faut se... Ouais, mais réviser assidûment. Oui. Bon, après, je suis pas pressée, hein. Faut qu'elle termine son aspiration d'abord. T'en es où, toi? Bah allez, encore une fois. Préparer un repas gastronomique. Pâte à l'ail. Allez, go. Le frigo est blindé, hein, je vous le dis. Avec tous les repas gastronomiques qu'ils nous préparent chaque jour... On peut nourrir encore une fois tout le quartier. Si vous avez des challenges à peau, sans-abri, crise financière, vous pouvez venir manger à la maison, il n'y a pas de problème. Mais si elle est rapide et qu'elle devient ado très vite, elle pourra aider sa mère avec la future bambine, bien sûr. Oui, je pense. Mais il faut qu'elle termine son aspiration d'abord. C'est pas, à mon avis, c'est pas les notes et les compétences qui m'inquiètent, hein, c'est plus l'aspiration. Donc pas avant 2 jours déjà, parce qu'il faut 2 jours de devoir. Et toi, tu t'occupes du bébé. Qu'est-ce que c'est, ça?
Je rêve pas, il y avait un Sims là. Mon jeu m'inquiète. Non mais j'ai pas rêvé. Dites-moi que je suis pas folle. Il y avait un Sims là, avec un Plumbob sur la tête. Juste à côté de la poubelle. C'est très inquiétant. Moi j'ai très peur. Vu que je peux pas changer la qualité de ma co, suis pas. Du coup, je vous dis avec regret, bon stream et bonne nuit. Mais t'as pas entendu tout à l'heure, je t'ai dit si tu passes sur YouTube, tu peux changer la qualité. Après, t'aimes peut-être pas YouTube, mais dans le défi optionnel, il y a écrit trois enfants et au moins trois petits-enfants. Non, mais je fais pas les optionnels. J'ai même pas lu les règles. Je trouve que déjà le ski obligatoire est déjà pas mal contraignant, donc je fais pas les options. Tu vas aller faire crac-crac en espérant que ça se passe bien. Je confirme, il y avait un Sims. Merci Fanny. Merci. Parce que là, si tu veux, moi, entre les Sims qui disparaissent, les machins relous qui apparaissent, on sait pas pourquoi, je m'inquiète beaucoup. YouTube bug même avec une bonne co. Ok, pas de soucis. Bah, bonne soirée Alexandre, merci d'être passé. C'est le fantôme qui va tuer Dina quand elle dort. Merci Alex. Hey, allez, on va faire crinque-crinque. J'oublie tout de même pas le host. Merci. C'est bizarre ton jeu, même moi ça me... Non mais alors, ça m'avait jamais fait ça, hein. Je vais me repasser live après pour voir. Avec trois follows maintenant, enfin trois dont un à moi. Je suis pas sûre que ça serve, mais merci quand même, ça me fait plaisir. Non mais il est un peu chelou là le jeu. Même moi ça m'inquiète. Encore plus qu'avant. Ah ouais, non mais là je te dis le million, le million. J'ai mis 300 000. J'ai mis 300, mais j'aurais pu mettre 1 million, quoi. 1 million facile. J'aurais dû mettre 1 million dans une semaine. Grâce à ton host. Crime, elle a craqué le jeu. C'est ça. C'est ça. En fait, je joue avec une version piratée, c'est pour ça qu'il se passe des choses bizarres. Non, non, c'est une vraie version que j'ai achetée à la sueur de mon front. À quelle heure tu bosses, toi? Dans 7 heures. Oh, bah, peinard. Allez, va bosser ton jardinage. Bref, à plus, bon stream. Merci d'être passé. Bisous. Et bonne soirée, du coup. Putain, c'est chiant, ça, le samedi, qu'à cause de tout... Enfin, parce qu'il y a beaucoup de streamers, ils t'empêchent de régler la qualité, quoi. Moi, ça me... fait un merde... Tous les spectateurs n'ont pas une co extraordinaire, et puis c'est pas parce que t'es petit que tes spectateurs, ils n'ont pas le droit de voir correctement ton live, quoi. Enfin, je trouve que c'est un petit peu discriminant quand même. Oh, merci Fanny. Oh bah dis donc, avec vous deux là, 2 millions. Merci. Quand ça dit 200 simflouz en banque, tu vas le tenter, c'est quoi? Attends. Qu'est-ce qu'ils disent dans les règles obligatoires? Oui, avoir au moins 200 simflouz en banque. Bah oui, je veux avoir 200 simflouz en banque. C'est prévu que... Salut, salut Xelos. C'est prévu, tout à fait, tout à fait. Non, Nina, c'est bon, on ne veut plus te parler. J'ai réussi à host. Ouais, bravo. Bravo, bravo. 10 minutes que je cherchais. Oh bah t'aurais dû me demander, je t'aurais expliqué. Comme j'héberge régulièrement les lives des Sims et tout ça, je t'aurais dit. Ah, tiens, à faire ménage aussi. Donc le jardinage, ça avance. Dina, elle est chargée de ramener les pépettes. Et jamais tu rentres de l'école, toi? Avec 14... Ah, faut faire gaffe, c'est canicule, quoi.